aujourd'hui, nous allons parler de comment développer ton élevage traditionnel. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les informations, les techniques appliquées pour agrandir ton cheptel de manière efficace et sécurisée afin de rentabiliser ton élevage traditionnel et afin d'atteindre l'indépendance financière grâce à cette activité. Mesdames, messieurs, chers membres de la communauté, bonjour. Comme toujours, rien n'a changé. C'est toujours avec un énorme plaisir renouvelé que je vous retrouve à travers cette vidéo. Si tu viens de découvrir cette chaîne à travers la vidéo que tu es en train de regarder, il est bon que tu saches que ici, c'est la formation continue en élevage, une formation sans filtre et concoctée avec toute la passion possible pour te permettre de devenir un leader dans le domaine. Et c'est pour cela que je te demande de cliquer sur abonner en bas de la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos formatrices absolument gratuites. Et si tu es encore plus sympa, mets-nous un gros pouce bleu en l'air pour nous montrer que tu adores nos vidéos. Et si tout cela est déjà fait, je t'en remercie. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier d'une formation complète et utile. Autre chose, n'oubliez pas de nous mettre toutes vos suggestions, vos questions et surtout vos critiques positives qui nous permettent d'aller de l'avant. Mettez-nous tout ça en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Alors on se retrouve juste après le générique. Avant tout propos, j'aimerais qu'on parle de comment se fait la reproduction des gallinacées. Alors, la reproduction des gallinacées se fait sans pénétration d'un organe dans un autre. Je veux dire par là que ça ne se passe pas comme chez les ruminants, les moutons ou les bœufs par exemple. Leur accouplement consiste seulement dans le rapprochement du cloaque du coq avec celui de la poule. Et au cours de ce temps, les spermatozoïdes sont déposés à l'entrée du cloaque de la poule pour être acheminés dans les voies génitales. Le sperme du coq peut être conservé pendant au moins 3 semaines, d'où la fécondation des œufs sur cette période. Pour obtenir des poussins solides et en bonne santé, il faut un minimum de sélection parmi les poules de la basse-cour. Dans un volailler à densité élevée en poules, songez à baguer vos poules afin d'établir une traçabilité et une généalogie de tous vos oiseaux. Vous pouvez repérer ainsi plus facilement les poules particulièrement disposées génétiquement pour la reproduction. Sur le long terme, il est indispensable d'éviter toute consanguinité qui viendrait à altérer la qualité de vos volailles. Mais comment éviter la consanguinité? Une solution simple, séparer systématiquement les jeunes de leurs parents en les vendant ou en les troquant. Ou bien encore, une autre solution simple, en échangeant tout simplement les reproducteurs et en conservant les poules. Dans un élevage de volailles traditionnel, le coq est très utile car sans lui, il n'y a pas de fécondé et par conséquent, pas de poussin. Attention, je n'ai pas dit que la poule ne pond pas. Bien sûr, elle pond sans coq, mais seulement les œufs seront destinés à la consommation car elles ne sont pas fécondées. Alors, quels sont les critères de choix pour un bon coq reproducteur local? Un bon coq reproducteur doit être en bonne santé, sa queue doit être bien développée, rouge et vif, ses aplombs normaux, ses doigts sans malformation, son bec normal et sans malformation également. Il est préférable d'acheter un coq plutôt jeune et vigoureux. Pour cela, il faudra obtenir un coq issu d'un groupe de reproducteurs et si possible non agressif. Il faudra choisir un coq en fonction de la taille de vos poules car un coq trop lourd pourrait les abîmer. Notez bien, pour éviter tout problème de consanguinité, il est judicieux de changer de coq assez fréquemment, au moins au bout de chaque 2 ans, pour amener du sang neuf dans la basse-cour. Passons à présent au choix de la poule, c'est-à-dire la reproductrice. Pas de poule, pas d'œuf et nécessairement pas de poussin. Il est donc tout aussi important de bien faire le choix de ses reproductrices. Alors, quels sont les critères pour un meilleur choix des poules? Une poule reproductrice doit être naturellement en bonne santé, avec des yeux vifs. Elle doit être grosse, bien emplumée, avec une crête assez développée et bien rouge. Son cloaque doit être doux et humide. Elle doit avoir un écartement entre les os pubiens de 2 doigts. Et un écartement entre les os pubiens et crêchés de 3 doigts. J'espère que tu comprends ce que j'ai dit.
Après le choix du coq et de la poule, permets-moi de revenir un peu en arrière pour t'expliquer encore de manière plus détaillée l'accouplement de la volaille. Alors, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, au début de la vidéo, l'accouplement a lieu après une parade nuptiale entre un coq et une poule. Il se produit un accolement des deux cloaques et après éjaculation du coq, les spermatozoïdes sont acheminés dans le pavillon où a lieu la fécondation de l'ovule. Bien sûr, c'est après cela qu'on a des œufs fécondés pour ensuite les mettre en couvaison. Nous allons à présent nous appesantir sur la couvaison ou l'incubation. On distingue deux types d'incubation qui sont l'incubation naturelle et l'incubation artificielle. Si tu optes pour l'incubation naturelle, tu dois construire des nids ou des pondoirs. Les pondoirs doivent être décalés par rapport à la porte d'entrée et contre le jour afin de procurer une bonne ambiance aux poules couveuses. Il faudra prévoir un nid ou pondoir par poule pondeuse. Le nid doit avoir une dimension de 30 cm de longueur, 30 cm de largeur, 40 cm de profondeur avec une ouverture de 25 cm. Le pondoir doit être tapissé d'une litière propre. Il faut savoir que la poule attend d'avoir suffisamment d'œufs pour couver. Lorsqu'elle s'installe, il faut la séparer avec les autres poules pour éviter qu'il y ait une rivalité entre elles. Il faut savoir que la poule couve 21 jours avant que le poussin ne sorte de sa coquille. Il faut savoir que pendant cette période de couvaison, tu dois faire le mirage des œufs. Alors, le mirage des œufs consiste à regarder à l'intérieur de l'œuf au moins deux fois durant l'incubation, c'est-à-dire le 7e jour et le 15e jour. Lorsque tu fais ce travail de mirage, comment tu peux reconnaître un œuf fécondé d'un œuf non fécondé? Il faut dire qu'un œuf fécondé et en développement présente un réseau rouge des vaisseaux sanguins et éventuellement une tache rouge plus sombre qui représente l'embryon. Si l'œuf est tout jaune, il est clair qu'il est stérile. Il est possible de mirer les œufs en se plaçant dans une pièce noire et en les mettant devant une source de lumière vive. Mais il existe également dans le commerce des mire-œufs plus sophistiqués. Lorsque les œufs commencent à éclore, n'interviens surtout pas. Tu dois prendre patience et attendre encore au moins 24 heures. Après éclosion de tous les poussins, les 24 heures après, il est conseillé de placer la poule et les poussins dans une éleveuse où ils seront protégés et à l'abri. La poule pourra être retirée après deux semaines de l'éleveuse. Elle sera nourrie convenablement afin que très vite elle reprenne la ponce. J'insiste toujours sur l'éleveuse parce que c'est un aspect important. Alors j'espère que tu sais ce que c'est qu'une éleveuse. Une éleveuse, c'est une cage dans laquelle tu dois placer tes poussins afin qu'ils terminent leur croissance. Cette période peut durer en moyenne 5 à 8 semaines. Si les poussins peuvent se nourrir, boire et se déplacer tout seuls, ils seront capables de vivre dans un poulailler plus grand. Durant la première semaine de vie des poussins, la chaleur dans l'éleveuse doit être maintenue à 35 degrés Celsius, puis diminuée de 3 degrés en moyenne chaque semaine. Notez bien, pour le chauffage, il y a quelques moyens plus ou moins efficaces pour le faire. Généralement, en élevage traditionnel, on utilise des lampes pétrole ou du charbon de bois dans des fourneaux spécialement conçus à cet effet. Un autre moyen, mais plus ou moins sophistiqué, est la lampe chauffante qui nécessite de l'énergie, soit solaire, soit thermique. Il y a aussi des panneaux chauffants qui fonctionnent avec le gaz butane. Maintenant, parlons de la prise en charge des poussins. Qu'ils soient élevés en couveuse ou avec leur mère, les poussins ont besoin d'une alimentation spécifique et adaptée à leur âge. Ne crois pas que le poussin local, c'est un poussin qui doit manger n'importe quoi. De tels aliments sont disponibles dans le commerce d'aliments. Mais si tu désires, tu peux fabriquer toi-même l'aliment de tes jeunes volailles. Je t'ai mis le lien de la vidéo dans laquelle je parle de comment fabriquer l'aliment des poussins locaux. Regarde en bas de la vidéo, je t'ai mis ça dans la description. Va la voir, c'est très important. Voici quelques informations à savoir pour nourrir tes poussins. Il faut savoir que durant les premières semaines de sa vie, le poussin connaît une croissance rapide qui nécessite une nourriture adaptée à ses besoins. Pour les races locales moyennes, un poussin d'un jour pèse environ 40 grammes.
Il multiplie ce poids par 4 ou 5 en une dizaine de jours. En ce qui concerne les poulets locaux, on parle de poussins de l'éclosion jusqu'à 2 mois d'âge. Des poulettes lorsque le sujet atteint de 2 à 4 mois d'âge environ. Et de poules ou de coqs à partir de 4 mois jusqu'à 6 mois d'âge. La ration quotidienne des poussins augmente avec l'âge. Voici quelques repères sur la consommation quotidienne des poussins. Depuis l'éclosion, le poussin commence avec 40 g d'aliments. À partir de 3 mois, sa consommation peut augmenter jusqu'à 150 g. Il faut retenir que cette quantité de nourriture que je viens de citer sont des ordres de grandeur qui varient en fonction de la taille des races. Dans tous les cas, l'alimentation doit être servie à volonté afin que l'animal puisse se nourrir quand il veut. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais bien que tu saches que la maturité sexuelle de la volaille intervient entre 5 à 6 mois d'âge. Les coqs expérimentés sont indiqués pour la reproduction. Il faut savoir que le sexe ratio est d'un coq expérimenté, bien sûr, pour 10 poules. Le coq reste fertile jusqu'à 4 ans en moyenne, mais on observe une baisse significative de la ponte chez la poule à partir de 2 ans. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois de plus, si tu as appris quelque chose à travers cette vidéo, mets un gros pouce bleu en l'air pour nous encourager à te faire d'autres vidéos instructives intéressantes. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Peace.